Abonnez-vous à la chaîne YouTube Kensia officielle. Un homme rentré à la maison à minuit après avoir passé un bon moment à dîner dans un restaurant. Il sent l'odeur de gaz disséminée dans la maison. Stop double point d'exclamation. L'homme va à la cuisine et remarque que l'odeur devient plus forte. Le subconscient l'a poussé à allumer la lumière et la cuisine explosa. Le mari meurt sur le coup et la femme est amenée aux soins intensifs, et y est toujours. Les meubles ont été projetés à 200 mètres de la maison, ce qui signifie que l'explosion du gazoduc, la bouteille de gaz, était plus forte qu'une bombe. La leçon tirée de cet incident malheureux est la suivante. Lorsque vous sentez l'odeur du gaz, n'allumez pas la lumière stop double point d'exclamation. Mais ouvrez les portes et les fenêtres calmement pour éviter toute étincelle. Fermez le tuyau, la bouteille de gaz. Et n'allumez pas la lumière tant que l'odeur du gaz n'a pas complètement disparu. Stop double point d'exclamation. N'ouvrez pas non plus le réfrigérateur si vous sentez l'odeur de gaz, car cela provoque également une explosion. Stop double point d'exclamation. Même le ventilateur d'aspiration ne le mettez pas en marche car il est sous tension. Stop double point d'exclamation. Ouvrez simplement les portes et les fenêtres pour faire évacuer l'odeur. Ne gardez pas cette information pour vous seul. Stop double point d'exclamation double point d'exclamation. Publiez-la autant que vous pouvez, ça pourra aider quelqu'un à éviter le danger.